L'église Saint-Thomas d'Aquin fut construite à Paris entre la rue du Bac et le boulevard Saint-Germain par les dominicains qui avaient là leur maison devenue noviciat de l'ordre. Le premier édifice, se révélant trop petit, fut reconstruit en 1683 par Pierre Bullet et terminé en 1766. Façade imposante et noble, fronton droit, colonnes alignées, bas-relief d'une grande sérénité. Tout respire ici la symétrie et l'harmonie, un monde où l'anarchie et le chaos du baroque n'a pas cours. La grande nef comporte quatre travées. Chaque arcade est décorée par des feuilles d'acanthe et des guirlandes de fleurs. Moment de douceur et de grâce. Le caractère massif de l'architecture est tempéré par l'élégance de la décoration. À l'étage supérieur, de grandes baies vitrées dispensent largement la lumière. Le cœur du dispositif se trouve à l'intersection de la nef et du transept, c'est la coupole. Reposant sur des trompes, elle s'élève légèrement dans le ciel. N'est-elle pas l'image de Marie toute grâce? C'est d'ailleurs Marie qui est représentée au revers de la coupole. Il est précisé qu'elle médite en son cœur les paroles de son fils, lequel, vis-à-vis, dispense la bonne parole. De part et d'autre, les quatre évangélistes, peints deux par deux, notent déjà les propos du Messie pour rédiger leur évangile. Sur les trompes, on peut reconnaître les grands saints qui ont donné, par leur ferveur et leur enthousiasme, consistance au message chrétien. Les dominicains comme saint Dominique et saint Thomas, mais aussi plus près de nous, saint Vincent de Paul et saint François de Sales, dont le rôle social et apologétique ne peut être passé sous silence. Mais cette coupole n'est pas simplement peinte, elle est éclairée par des verrières réalisées à la fin du XIXe siècle par Édouard Amédée d'Hydron. Réussite indéniable. Par un graphisme particulier, le maître verrier a renforcé l'unité de chaque verrière. En utilisant les tons pastels et doux et en évitant les couleurs crues, il a pu laisser entrer la lumière sans heurter le regard. Deux scènes éclairent les deux côtés du transept. Le Christ des Béatitudes d'abord. Jésus sur la montagne dispense son message. Il s'adresse non seulement à ses apôtres, mais à toute l'humanité, symbolisée par la Samaritaine avec sa cruche et un soldat romain. Vis-à-vis, l'Assomption de la Vierge, scène illustrissime, maintes fois représentée et traitée avec élégance. La Vierge sort de son tombeau, tandis que les apôtres et les saintes femmes manifestent leur émerveillement et leur ferveur. La verrière centrale est un hommage rendu à la Trinité. Au pied du Dieu Tout-Puissant, les saints sont réunis. On reconnaît saint François d'Assise et derrière lui, saint Germain l'Auxerrois. À droite, saint Pierre avec ses clés, saint Vincent de Paul et saint Louise de Marillac avec sa cornette, puis saint Dominique et saint Thomas d'Aquin avec son soleil, enfin saint Louis et la couronne d'épines. Mais les thèmes religieux ne sont pas traités uniquement par le truchement du vitrail, mais par des tableaux peints. Ainsi, Salvador Rosa, peintre italien du XVIIe siècle, reprend à son compte le dogme de l'Assomption de Marie. Il le traite avec une fougue et un dynamisme qui peut étonner, voire choquer. Nous sommes en plein baroquisme. Du XVIIe siècle, un peu sévère mais profond, voici deux autres œuvres. D'abord, une sainte famille, due au disciple de Simon Vouet. Dans cette peinture, on ne retrouve pas pleinement l'esprit du maître, mais que de brio, à défaut d'esprit méditatif. Et que dire du saint Thomas d'Aquin, réalisé par frère André? La tradition veut que saint Thomas d'Aquin, au soir de sa vie, eut une apparition qui le laissa médusé. Désormais, il lui fut impossible d'écrire. Ce qu'il avait publié jusqu'alors lui semblait un fétu de paille
par rapport à ce qu'il avait éprouvé. C'est ce moment capital qu'a voulu rendre au frère André. D'une main, le saint referme le livre tandis que sa plume reste en suspens. Mais que de retenue dans son attitude. Nous sommes loin des exaltations baroques. Frère André est un adepte de Philippe de Champaigne. Et voici le XVIIIe siècle, siècle moins profond mais plus aimable que celui qui l'a précédé. Jean Restoux nous propose une nouvelle interprétation de la Transfiguration. Que de grâce, que de légèreté dans cette lumineuse peinture. Tout est dans le contraste entre l'ombre et la lumière. Les apôtres au premier plan sont dans l'obscurité, presque totale, tandis que le Christ éblouissant se fond dans l'éther. Mais les peintures les plus remarquables de l'église Saint-Thomas d'Aquin sont, qui l'aurait cru, du XIXe siècle. Siècle très décrié parce que jugé trop académique, mais qui est capable de réussite exemplaire. La guérison d'un boiteux de Palière, 1819, est pour nous un objet de méditation. Le tableau est structuré par des lignes qui fusent vers le haut. C'est l'appel du surnaturel, c'est aussi l'appel à la volonté personnelle. « Lève-toi et marche », dit le saint. Et le peintre donne l'impression que le miracle va se produire sous nos yeux. Le châtiment de Sifira du peintre Picot est encore plus démonstratif. L'artiste fait allusion à un passage des Actes des Apôtres où il est dit qu'un couple, Ananie et sa femme Sifira, furent condamnés par l'apôtre pour avoir triché sur le montant de leurs biens. Dans le fond du tableau, le peintre a fait allusion au comptable chargé d'évaluer les sommes que chaque chrétien doit verser. Au centre, Saint-Pierre lève le bras pour maudire, établissant une vigoureuse verticale. Mais à l'horizontale, Zéphira, figure alanguie et lascive, attire tous les regards. Mais le plus beau tableau est celui de Saint-Étienne, dû au pinceau d'Abel de Pujol. Dans la cacophonie générale qui s'instaure, point levé, pierre jetée, vigoureuse protestation de ceux qui se bouchent les oreilles, Saint-Étienne dresse le doigt vers le ciel et par une ligne verticale rétablit l'ordre et le calme. À son injonction, les cieux s'ouvrent, réduisant à néant la protestation des méchants. Mais c'est dans la chapelle édifiée derrière le chœur que se trouvent les peintures les plus emblématiques. D'abord Saint-Louis rendant la justice sous un chêne. De part et d'autre, Saint-Thomas d'Aquin présente l'église qui porte son nom, et de l'autre, la religion tient le calice et la croix. Plutôt que cette figuration un peu académique de Merson, on retiendra les peintures qui décorent le fond du sanctuaire. À droite, Aaron, frère de Moïse, bénissant le peuple de Dieu, levant le chandelier à cette branche. À gauche, la translation de l'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Yahweh. Que de profondeur dans ce tableau, que de retenue chez les jeunes femmes qui s'avancent au premier plan, que de piété chez l'enfant agenouillé. Ces peintures datent de 1841 et sont signées Blondel. Un siècle plus tôt, le moine peignait à la demande des dominicains le plafond de la chapelle. Dans une belle envolée, il donnait son interprétation de la Transfiguration. Que d'élégance, que de légèreté, mais aussi que de mystère. Peinture rare qui a survécu au saccage des révolutionnaires et aux transformations des chanoines embellisseurs, telle est la belle église Saint-Thomas d'Aquin à Paris.